Salut, c'est Zglug. C'est la première vidéo de l'année, alors bonne et heureuse année 2019. Moi, j'espère plein de nouveaux abonnés. Alors, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Dans l'avant-dernière vidéo, on a activé le HTTPS. Maintenant, on va ouvrir le port de la box pour avoir accès à notre Raspberry Pi depuis l'extérieur. Comme toujours, je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par aller vérifier si notre serveur fonctionne toujours. Donc, bien évidemment, il faut démarrer le Raspberry Pi. Ensuite, on se rend sur le 192.168.0.13. Donc, notre user et mot de passe est toujours actif. Ceux qu'on avait rajoutés avec le HT Access et le HT Password. Si vous ne vous souvenez plus du user, vous pouvez toujours retourner dans le HT Password. Vous allez pouvoir voir le user. Par contre, vous ne verrez pas le mot de passe. Mais avec la manipulation que je vous ai montrée dans une ou deux vidéos précédentes, vous allez pouvoir le refaire si vraiment vous l'avez complètement oublié. Donc je vais taper mon user et mon mot de passe hors caméra. Voilà, donc j'ai validé. On tombe sur notre page par défaut d'Apache. Hein, donc ça, c'est comme la dernière fois. Il n'y a pas eu d'évolution de cette partie-là. Notre page pour afficher, c'était test.php, si je me souviens bien. Oui, donc la caméra est juste pas branchée, donc effectivement, il n'y a rien. Mais rappelez-vous, c'était ici que, quand on avait fait le test de branchement de la caméra, les images étaient diffusées dans cet espace gris. Donc là, on a validé que notre serveur fonctionnait toujours, donc qui est très très bien. Maintenant, on va aller donc ouvrir le port sur notre routeur. Donc, pour ça, moi, je suis chez Free, donc, comme vous le savez. En cliquant sur périphérique, alors j'ai réduit la fenêtre pour pas que vous voyez les autres périphériques, mais en cliquant sur périphérique, vous voyez l'ensemble des périphériques qui sont connectés sur votre réseau local. Et là, sur le Raspberry Pi, clic droit, on va pouvoir faire redirection de port. Dans la redirection de port, donc, elle nous précharpe déjà l'IP de destination, qui est donc l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Donc, le protocole, on va laisser TCP. Le port de destination, ça va être le 440 parce que c'est ce que nous avions paramétré sur notre serveur Apache. Et pour le port de début ou les plages de port, mais nous on va en mettre qu'un, on a le droit de mettre le port qu'on veut. Enfin, c'est celui qu'il va falloir se souvenir pour taper. Donc par exemple, on va pouvoir mettre 444. Ça va être facile à taper et à se rappeler. On peut aller même jusqu'à 44 000, 44 44. Vous pouvez mettre votre date de naissance si ça vous fait plaisir. On a le droit d'aller jusqu'à 65 500 et des poussières. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est si sur le Raspberry Pi vous avez installé autre chose, ça pourrait arriver. Donc c'est ce qu'on appelle les collisions. Mais dans ce cas-là, vous changez de port et puis voilà, c'est terminé. Donc là, je sauvegarde. Et donc là, en gros, ça veut bien dire que ce qui va arriver sur l'adresse IP de ma Freebox en 2.4444 va être dirigé sur le Raspberry Pi, sur le port 443, donc sur le port sécurisé. On n'a pas besoin de mettre ça dans les DMZ, hein, ça suffit très très largement, donc je peux valider. Si vous ne connaissez pas votre adresse IP, il y a un petit site qui est sympa qui s'appelle Mon adresse IP. Vous tapez mon IP dans Google et le premier lien c'est monip.com. Moi je vous ai caché la mienne, hein, vous verrez la vôtre quand vous irez dessus, mais voilà, tapant cette adresse IP là, du coup vous allez tomber chez vous. Donc je vous ai toujours caché mon adresse IP, on a bien mis le port 4444. On nous dit que effectivement la connexion n'est pas sécurisée. Que je vous le rappelle, nous avons un certificat auto-signé pas reconnu par les autorités de certification. Il faut aller dans le mode avancé. Voilà, ça ouvre la possibilité d'ajouter une exception. Donc on ajoute une exception. Donc on tombe sur notre page d'authentification. Toujours hors caméra, je vais taper mon user et mon mot de passe. Voilà, donc on est bien sur notre page par défaut de Apache. Et puis donc si je tourne dans test.php, je suis bien sur la page. Dans le carré gris, c'est là où doit s'afficher la caméra. La motion tourne, mais la caméra par contre n'est pas branchée, donc lui il rajoute, c'est motion qui rajoute la date et tout ça. Donc voilà, pour vérifier les ports qui sont ouverts, c'est dans le paramétrage de la Freebox, dans la gestion des ports. Pareil, vous ouvrez et là vous avez toutes les redirections de ports que vous avez saisies. S'il y en a que vous ne connaissez pas, il vaudrait peut-être mieux la petite poubelle qui est là. Et voilà, nous avons vérifié que notre serveur fonctionnait toujours. Nous avons ajouté une redirection du port 4444 vers notre Raspberry Pi sur le port 443. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce si vous aimez. Activez les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. A ciao, bon dimanche.